Exilé, pour moi, c'est plus un supérieur qui va dire à quelqu'un de partir pour une raison. Genre, il faut qu'il y ait une raison valable pour être exilé. Pardon ? Désertique ? Exclu ? Dans le but de se mettre en sécurité. Parce qu'il peut y avoir la guerre, ou alors c'est parce que dans son pays, il y a des discriminations. L'exil, c'est le fait d'être interdit sur un territoire. C'est le fait de ne pas pouvoir revenir à un endroit, c'est être exilé qu'on ne peut plus revenir à ce endroit-là, quoi. Quitter un pays. Et l'exil, c'est quelqu'un qui est mis en marge de la société, plutôt. Exilé. L'exilé. L'exilé. The person that doesn't belong to a place. Le départ. Abandon. Retiré. Éloignement. Étranger. Isolation. Loneliness. It comes to the picture of a person who left the country due to a problem and moved to a place where he feels security. Il fait ce qu'il veut. La contrainte. Quelqu'un qui est pas loin, hors de chez lui. Dark and happy. Moi, je pense au, je sais pas, au 19e siècle, à vrai dire. Aux écrivains qui étaient exilés, ou je sais pas, les... Même début du 20e siècle, surtout comme je suis russe. C'est un peu hors la norme. Tous ces gens qui ont dû partir de la Russie à cause de la révolution d'un nouveau régime. Pour moi, je suis dans un pays, je suis déporté du pays. Et là, est-ce que c'est une importation de quelqu'un dans mon pays? Mais si on ne décide pas, j'ai pas mon décision, ils vont m'amener chez moi. Parce que je pense que l'État ne pense pas dans les personnes qui ont des problèmes. Ils ont besoin de l'aide que les pays étrangers peuvent donner. C'est ça. Asile. Spiritualité. Asile, allez, je vais mettre guerre. L'accueil. Maison. Du coup, je suis dans la rue. Chance. I don't know why it's taking me so long, but I would say... Tout ce phénomène. Fear and limitation. En gros, c'est des hommes et des femmes, voire des enfants qui sont obligés de quitter leur pays. Du coup, c'est triste, on est solitaire. Changement. Peur, peut-être. Laws. Restrictions. I guess when you see in the media, people say illegal people, but I say it's undocumented people, yeah. Moi, je dirais démence et folie. On se sent protégé, quoi. On se sent à l'abri. Folie. Interné. Ce sont des gens qui sont malheureux chez eux et qui veulent vivre. They are welcome that they have opened doors to a new place. Yeah.